En ce dimanche, jour de joie, grâce et paix vous sont données, ici et maintenant, de la part de Dieu, Père de tous les hommes, et de la part de Jésus-Christ, frère de tous les hommes, dans la consolation de l'Esprit-Saint, souffle de tous les hommes. Bienvenue pour ce culte. Nous sommes heureuses de vous retrouver au temple de l'Oratoire du Louvre. Nous saluons celles et ceux qui nous regardent de leur domicile en France ou à l'étranger. Le temps du déconfinement s'assouplit de plus en plus. Nous voyons l'activité renaître dans notre société. Nous continuons d'espérer un monde différent et chaque jour, tous, nous restons attentifs aux nouvelles qui arrivent de tous les pays pour y déceler un chemin, une lumière, une initiative, un projet commun entre tous. Mais l'avenir reste incertain pour un très grand nombre d'entre nous. Lorsqu'un homme marche dans l'obscurité et qu'il a une lampe à la main, s'il voit une pierre, il ne la heurte pas. S'il voit un trou, il n'y tombe pas. Cette parole de sagesse commente le verset des psaumes qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin. » Aujourd'hui, les pièges et les pierres ne manquent pas. Les tentations sont grandes pour nous faire baisser notre garde ou nous faire oublier le virus toujours tapis dans l'ombre. Mais que ce culte qui nous rassemble, auprès comme au loin, soit un moment de paix, un temps lumineux et une rencontre prometteuse pour l'avenir. Nous louons le Seigneur. Loué sois-tu, mon Dieu, pour tous ces autres qui peuplent la terre avec moi, pour ces prochains et ces lointains, sans qui je ne serais qu'un Robinson prisonnier de son orgueil solitaire. Loué sois-tu pour tout ce qui nous est commun, au long des siècles et des continents, tissant la longue tapisserie de l'humanité. Loué sois-tu aussi pour tout ce qui nous fait différents, et dont les couleurs font chanter le tissu de la vie. Donne-moi d'accueillir la richesse de ces diversités et d'y saisir la dimension de ton amour. Pour ceux qui me sont les plus proches, famille, amis, voisins, camarades, collègues, qui cheminent à mes côtés au long des jours, m'apportant chaleur, réconfort ou soucis, pour eux tous, je veux te louer aussi simplement pour la vie qui continue, parce que le monde n'a pas commencé ni se terminera avec moi. Loué sois-tu, quand tu ouvres mes yeux, quand je m'enferme ou m'isole. Loué sois-tu quand tu m'envoies des compagnons fraternels, quand je déprime ou désespère. Loué sois-tu, ô mon Dieu, quand tu me donnes d'être ce petit chaînon joyeux de la grande caravane humaine, en marche vers cet avenir que ton Fils nous a dépeint aux couleurs de l'espérance. Amen. Alléluia. Dans le recueil « Le psautier français », nous vous invitons à poursuivre notre louange par le chant du psaume 97. De ce psaume, nous chanterons les quatre strophes. Dieu, le Seigneur est roi, et nous vous invitons à vous lever.
Prenez place. Écoutons encore la volonté de Dieu pour aujourd'hui et pour les jours qui viennent. Préparez le chemin du Seigneur, proclamez dans le désert la voix du prophète Ésaïe. Voici le jeûne qui me plaît, dit Dieu. Brise les chaînes injustes, dénoue les liens de tous les jougs, délivre ceux qu'on opprime, mets fin à toute servitude. Partage ton pain avec celui qui a faim. Recueille dans ta maison le malheureux sans asile. Couvre celui qui a froid. Ne te détourne pas de ton frère. Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice et la gloire du Seigneur fermera la marche. Prions ensemble. Éternel Dieu de la vie, je voudrais tant vivre de ta vie éternelle. Quand cela va-t-il m'arriver ? Aujourd'hui, j'ouvre la fenêtre de ma vie et je jette tous mes encombrants, ces habitudes, ces conformismes, ces vanités et ces inutilités, ces tricheries, ces compromissions, ces petits arrangements hors de ta vue, parce que tout cela m'enchaîne et me prend le temps que je pourrais consacrer à vivre en libéré et à aimer les prochains que tu m'as donnés. Aide-moi à me libérer du regard des autres sur moi et de la peur que cela engendre. Viens à mon secours. Aujourd'hui, j'inscris sur mon calendrier que ma vie nouvelle a commencé. Amen. Pour accueillir le pardon que Dieu nous donne, je vous invite à vous lever. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils afin qu'en lui nous ayons la vie. Il nous offre la grâce de vivre autrement. Sa grâce renouvelle nos vies et transfigure nos relations. Le Seigneur nous dit : Mon enfant, relève-toi. Ne laisse pas le soir descendre sur toi. N'aie pas peur, crois seulement. Va, ta foi t'a sauvé. Chantons à Dieu notre reconnaissance et nous prendrons la strophe 2 du psaume 92 que vous trouverez dans les petits recueils blancs dans le psautier français, dans l'ordre du culte.
Nous affirmons maintenant notre foi avec un texte écrit par le pasteur Michel Boutier. Pour le monde et pour moi, j'ai confiance en Jésus de Nazareth. Il est le seul sauveur et maître. Il a été l'homme véritable, comme nul homme ne peut l'être par lui-même. Il est mort sur une croix pour les autres et pour le monde, comme pour moi. Il est ressuscité, il est présent parmi les hommes, et pour les servir, il recrute son Église, sans tenir compte de nos distinctions. Il agit par les hommes et les femmes dans l'histoire pour l'amener à son but, un univers réconcilié dans l'amour. Aussi, je ne crois à la fatalité ni de la guerre, ni de la haine, ni de la catastrophe, ni de la mort, parce que je crois que Jésus nous libère pour des décisions libres. Grâce à lui, Dieu a un visage. Il a un nom, celui de Père. Et grâce à lui, ma vie a un sens, l'univers aussi. Pour le monde et pour moi, j'espère en Jésus de Nazareth. Il vient. Et nous chantons le spontané de louange en prière dans Cantique 69, strophe 1. Grand Dieu, nous te bénissons. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Avant de lire les Écritures, je vous invite à la prière. Dieu notre Père, nous avons faim et soif de ton pardon, de ta présence, de ton amour. Nous sommes devant toi prêts à écouter ta parole qui rassasie, qui vivifie, qui renouvelle nos forces. Envoie sur chacun, chacune de nous le souffle de ton esprit, afin que nous prenions conscience de ta présence dans nos vies et que nous puissions accueillir la parole que tu nous destines aujourd'hui. Amen. Dans le livre des Actes aujourd'hui, nous continuons notre chemin et aujourd'hui c'est dans la fin du chapitre 4 et le début du chapitre 5 que nous lirons, 4:32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent.
Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportant le prix de ce qu'ils avaient vendu, et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on distribuait à chacun selon ce qu'il avait besoin, selon qu'il en avait besoin, pardon. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie « fils d'exhortation », Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le disposa aux pieds des apôtres. Mais un homme du nom d'Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint avec le consentement de sa femme une partie du prix. Puis il apporta l'autre partie et la déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à l'Esprit-Saint et de retenir une partie du prix du champ? Lorsque tu l'avais, ne demeurait-il pas à toi? Et après la vente, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu mis en ton cœur une pareille action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens se levèrent, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 jours plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à tel prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur ? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte. Ils t'emporteront. » À l'instant, elle tomba à ses pieds et expira. Les jeunes gens, à leur entrée, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte saisit toute l'Église et tous ceux qui apprirent ces choses. Un seul cœur et une seule âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Personne n'était dans le dénuement, on distribuait à chacun selon ses besoins. En lisant cette description de l'Église primitive, on a l'impression d'un communisme qui aurait marché. Quelque chose comme ça qui aurait enfin réussi. Une équité complète.
une confiance parfaite, un abandon de la propriété privée au profit de la communauté et un bonheur pour tous surtout. On se croirait dans une communauté hippie des années 70, vous ne trouvez pas ? La libération sexuelle et les stupéfiants en moins, évidemment. Mais un incident, bien sûr, va venir troubler cette harmonie et va la transformer en une véritable utopie. L'harmonie parfaite n'aura pas lieu. Ananias vend son champ et garde une partie du profit de la vente pour lui. Et sa femme est complice. Ce récit biblique relève davantage du conte philosophique que du récit historique, bien sûr. Les deux fauteurs de troubles tombent morts, comme les deux fils d'Aaron avaient eux-mêmes été terrassés dans le livre du Lévitique. Vous regarderez au chapitre 10, à cause de leur confusion entre le profane et le sacré. Et ils ont été emportés, eux aussi, par des jeunes gens pour être ensevelis à l'extérieur du camp. Mais en réfléchissant, on comprend Ananias, qui est sans doute un homme raisonnable et qui se dit « Si je donne tout et que d'autres s'en vont avec la caisse, que deviendrai-je » C'est même ce qu'on appellerait de la prudence et de la sagesse. Cette histoire nous plonge dans la question du bien commun et de notre capacité à faire communauté. L'économie, les sciences politiques ou la philosophie ont développé cette question sous l'angle de ce que l'on appelle les communs. Les communs peuvent émerger n'importe où. Ils existent dès lors qu'une communauté ou un groupe décide de gérer une ressource de manière collective, avec en vue un accès et une utilisation équitable de celle-ci. On pourrait dire que les communs sont des choses qui n'appartiennent à personne et qui sont partagées par tout le monde. Je vous conseille d'ailleurs de lire ce livre passionnant de David Bollier, « La renaissance des communs pour une société de coopération et de partage ». Ce type d'organisation sociale existe depuis la nuit des temps. La forêt où tous pouvaient aller chercher son bois de chauffe, leur bois de chauffe, la rivière où tous pouvaient aller laver leur linge, le lac où tous pouvaient aller pêcher. Tous ces exemples nous intéressent particulièrement aujourd'hui, dans une société où la propriété privée semble avoir pris le pas sur tout espace et toute ressource partagée. Il faut parfois payer pour accéder à la mer. Et aujourd'hui, les commoneurs, comme on les appelle, ces acteurs des communs, peuvent être aussi bien des femmes de communautés rurales indiennes qui mutualisent leurs semences agraires, que des développeurs numériques qui imaginent des systèmes libres de droits pour partager des connaissances, des informations ou toute autre ressource virtuelle, mais essentielle à la vie humaine, pour créer des relations. Internet, que l'on accuse souvent de beaucoup de maux, est en fait aussi un magnifique outil pour développer des communautés humaines autour d'idées, de projets participatifs ou d'entraide. Ainsi, penser les communs, ce n'est pas penser une doctrine, une idéologie ou une secte, mais plutôt penser une façon de faire ensemble, dans la coopération et l'équité, en n'étant dépendant ni d'un État ni d'un marché. Il n'y a pas de modèle a priori du commun, il s'invente en fonction des gens qui le créent et des aspirations de ces gens. Évidemment, une telle forme d'organisation est toujours menacée par un Ananias qui ne joue pas le jeu. Pierre lui demande d'ailleurs s'il ne pouvait pas garder son champ plutôt que de le vendre et de mentir ainsi à toute la communauté avec laquelle il s'était engagé. Là est bien la question. Quel engagement requiert l'appartenance à une communauté ? Ananias n'était en rien obligé de vendre son champ et de donner le produit de la vente à la communauté.
son bien et son bien. Et dans le cas présent, le droit romain garantissait à Ananias la jouissance de ce bien en propriété privée. Alors, que nous révèle l'histoire d'Ananias ? Où est véritablement la transgression qu'il a faite ? Sans doute dans le fait de dire qu'il s'engage et que son bien devient le bien de la communauté et en même temps faire une réserve pour assurer son départ unilatéral de la communauté sans prendre le moindre risque pour sa subsistance. On pourrait juger Pierre comme le gourou d'un abominable courant sectaire si l'on ignorait ces paroles qui rappellent la liberté pleine et entière d'Ananias. Il pouvait garder son champ en propriété pleine et entière, et même le champ vendu, Ananias pouvait encore avoir autorité sur son prix. Ce qui rejoint l'organisation commune des communs, car qui donne à la communauté de son temps, de son argent, de son savoir-faire, est aussi celui qui décide de façon collégiale ce qu'on en fera. La transgression d'Ananias ici tient au fait de mentir sur ses intentions dans une communauté où chacun est libre d'entrer et de sortir de la relation de dépendance entre tous selon son engagement propre. Ce que Pierre pointe, c'est ce qu'il appelle le péché contre l'Esprit Saint. Alors venant de Pierre, on se doute bien qu'il ne s'agit pas de prôner la perfection. Pierre est celui qui a renié, qui a été lâche, menteur même. Mais il est d'autant mieux placé sur ce que le mensonge d'Ananias implique pour parler. Ananias n'a pas de crainte à avoir, lui, contrairement à Pierre quand il était dans le prétoire et qu'il a menti à propos de Jésus. Il est Ananias, dans une communauté basée sur la confiance et suivant le principe d'un amour fraternel, pourquoi alors introduire de la défiance dans ce système? Faisant un acte avec une intention contraire à celle qu'il affiche, Ananias a été de mauvaise foi, pourrait-on dire, se disant membre de la communauté et ne lui faisant pas confiance, se disant engagé et se tenant prêt à tout moment à lâcher, à s'en aller. Sans doute, Pierre aurait supporté la crainte d'Ananias d'engager tous ses biens dans cette nouvelle vie communautaire, s'il lui en avait parlé. Mais en mentant ainsi, Ananias a agi selon les règles du monde dans une communauté spirituelle. Il a donc mêlé le profane et le sacré comme les fils d'Aaron l'avaient fait, en offrant de faux sacrifices à Dieu. Et le résultat est le même pour Ananias et Saphira que pour les fils d'Aaron. Ils tombent subitement morts. Évidemment, il est difficile de croire à une telle mort subite sanctionnant le péché contre l'esprit dans la réalité. C'est difficile de le prendre au pied de la lettre. Mais le symbole est assez fort pour nous poser la question. Quelle est cette mort qui frappe Ananias et sa femme? N'est-ce pas la vie éternelle promise dans le service sincère et la cohérence de l'engagement que la communauté des premiers chrétiens pouvait leur donner qui s'éteint si brutalement? N'est-ce pas une mort spirituelle qui a lieu plutôt qu'une sanction d'un Dieu revanchard ou d'un Pierre impitoyable? Personne n'a tué Ananias et Saphira. Ils tombent ainsi, comme s'ils s'écroulaient sur eux-mêmes. Ananias et Saphira induisent par leurs mensonges l'idée que la communauté pourrait ne pas être digne de confiance. Ils détruisent ainsi l'unité. Ils divisent. Et l'allusion au Satan montre bien cette division de la communauté, non par le doute d'Ananias, il avait le droit de douter, mais par son mensonge. Le péché contre l'Esprit Saint n'est pas le doute dans la foi, c'est promettre et ne pas faire, c'est s'engager et quitter le navire à la première avarie, c'est se renier soi-même en fait,
se diviser soi-même et en faire payer le prix aux autres. La première communauté de chrétiens décrite par le livre des Actes, toute caricaturale et utopique qu'elle puisse paraître, nous pose la question de notre engagement dans le christianisme et plus généralement dans l'humanité. Ces derniers mois nous ont montré les limites d'un individualisme strict. Nous avons mesuré la valeur des relations humaines et combien nous sommes liés à notre environnement de vie. Nous avons reconnu le commun précieux qu'est notre système de santé et l'avons soutenu. Nous avons mesuré la nécessité d'une entraide active dans un moment de grande vulnérabilité. Nous savons tous combien il est important de pouvoir compter sur une communauté humaine et spirituelle. La crise révèle la nécessité de l'engagement collectif et la fidélité à ces engagements. La crise est d'ailleurs un des ressorts essentiels des communs. Ils surgissent souvent là où des hommes et des femmes ont des problèmes communs à régler et là où ils ont un bien commun à défendre. Le christianisme est particulièrement concerné par les circonstances de crise, puisqu'il trouve son origine dans une crise humaine tragique, la mort du juste Jésus et son abandon par sa communauté lors de sa passion. La résurrection est en grande partie une réparation de la promesse non tenue. Alors, qu'est-ce qu'être engagé dans la communauté chrétienne? Il y a beaucoup de façons d'être chrétien. Est-ce qu'être chrétien se résume à adhérer aux idées du Christ? Ananias pouvait rester chez lui avec sa femme et son champ et se trouver en accord avec les idées du Christ sans rien faire de plus. Est-ce qu'être chrétien, c'est appartenir à une Église qui prône une certaine compréhension, une certaine expression de la foi en Jésus-Christ et en faire son identité? Ananias aurait pu se dire chrétien et ne rien changer à sa vie d'avant. Ou bien est-ce qu'être chrétien, c'est s'engager dans une communauté avec d'autres êtres humains qui font ensemble advenir un monde nouveau, comme le souhaitait l'homme Jésus? Et comme le Christ en contient en lui la promesse. Dans ce cas, alors, l'adhésion aux idées ne suffit pas. L'appartenance identitaire ne suffit plus non plus. C'est un autre type de relation au christianisme qui est en jeu ici. Car ce christianisme-là ne préexiste pas à mon action. Il est créé par mon action, par mon engagement. Parce que, avec Jésus et les autres frères et sœurs, je vais réaliser pour qu'il advienne enfin. C'est cela qu'Ananias avait commencé à faire en vendant son champ, mais sans y croire vraiment, et donc sans s'engager vraiment dans la communauté et dans l'œuvre qu'elle portait. Envisager la vie chrétienne sous l'angle des communs est intéressant car c'est ce que nous pouvons pratiquer dès maintenant dans nos associations cultuelles. En nous engageant dans la communauté comme donateurs, comme bénévoles et souvent les deux à la fois, on ne vient pas à l'Église consommer de l'Évangile sans se soucier des autres. Ceux qui constituent avec nous la communauté et qui recherchent avec nous un mieux vivre, un monde meilleur, une égalité plus grande, une fraternité plus grande et une liberté plus grande. La communauté décrite dans le livre des Actes était sans doute en dialogue avec les institutions de son temps, comme nous le sommes aujourd'hui nous-mêmes. Le commun que constitue une association cultuelle est en dialogue avec ces trois notions chères à notre République. Comment arriver à créer plus d'égalité entre les hommes ? Sans doute par le partage équitable des richesses monétaires, mais aussi spirituelles, culturelles et intellectuelles. Donner le meilleur à tous, sans discrimination, voilà ce qui est égalitaire dans l'œuvre de notre Église.
Comment arriver à offrir une plus grande liberté à nos contemporains? Sans doute en offrant des lieux de formation spirituelle et intellectuelle qui permettent d'envisager sa vie autrement que selon les diktats sociaux qui nous enferment trop souvent et nous assignent à une identité sociale selon nos mérites, notre valeur marchande ou nos origines. Comment arriver à une plus grande fraternité? Sans doute en nous considérant les uns les autres comme des frères et sœurs du Christ, tous enfants d'un Dieu qui aime ses enfants au-delà de ce qu'ils peuvent prouver par eux-mêmes de leur valeur. Ce modèle social de la communauté ecclésiale a sans doute beaucoup à apporter à notre monde, à notre société. En mentant à la communauté, Ananias n'a rien compris à l'engagement qui lui était demandé. Il croyait pouvoir s'engager en façade, mais sans croire lui-même au modèle qu'il créait avec la communauté des chrétiens. Son attitude montre qu'il n'est pas dans la logique de la communauté, il ne se laisse pas changer par elle. S'engager dans cette communauté impliquait de la transparence, de la confiance, de l'honnêteté. Sa façon d'agir montre qu'il n'est pas impliqué pour le bien commun, mais qu'il n'a pas compris ou pas admis. À partir du moment où on attendait le fruit de la vente de son champ, la communauté devenait dépendante de cette ressource et pouvait envisager l'avenir avec cette ressource. Il ne l'a pas envisagée. La vie en communauté qui nous est montrée ici est une foi vécue, une foi en acte, qui respecte la foi des autres, qui espère en leur honnêteté, qui place sa confiance dans leur sincérité. C'est une foi qui espère en l'homme. Alors oui, frères et sœurs, on peut vivre sans s'engager dans une communauté humaine, peut-être. On peut vivre sans s'engager dans aucune communauté chrétienne, sans doute. Évidemment, on le peut. Et c'est la liberté de chacun. Mais alors, on ne peut prétendre à faire advenir le royaume de Dieu ensemble. S'engager à la suite du Christ, c'est d'abord ne pas se mentir à soi-même. Comme ce jeune homme riche qui voulait la vie éternelle et ne pouvait pas abandonner les richesses de sa vie profane. Il a compris qu'il ne pourrait pas le faire, qu'il ne pouvait pas encore s'engager, il est parti tout triste. S'engager, c'est toujours abandonner un peu de sa liberté pour accepter une interdépendance dans laquelle les uns comptent sur les autres. Alors, quel est notre engagement commun? J'ai souvent entendu dire que l'oratoire du Louvre n'était pas une église comme les autres. C'est vrai. Mais pas à cause d'une sorte de snobisme qui ignore les règles habituelles de la communauté des chrétiens. Ce n'est pas ça. L'oratoire du Louvre est un commun fondé sur une vision délibérément inclusive de la tradition chrétienne. Ce qui veut dire qu'ici, on peut être individuellement libre, on peut être ce qu'on est, librement, ce qu'on souhaite être, sans avoir à entrer dans des normes dogmatiques ou morales. C'est cette liberté qui est le ciment d'une communauté vécue et solidaire. Le libéralisme ne rime pas avec individualisme, contrairement à ce que l'on croit souvent. Sinon, quelle serait la cohérence de l'inclusion? Qui accueillerait ceux qui veulent rejoindre les autres? Pour qu'une telle communauté existe, il faut que nous tous, nous nous engagions à la créer ensemble, chaque jour. Elle n'existe pas en elle-même, seule comme cela, avant nous. Il faut la créer. S'engager à la suite du Christ, c'est croire en Dieu assez pour être capable de croire en l'homme. C'est-à-dire n'avoir dans la tête et dans le cœur qu'une anthropologie optimiste et travailler à sa manifestation. C'est produire de l'égalité en aidant les plus précaires à rejoindre les plus nantis et en aidant les plus nantis à rejoindre les plus précaires pour que, ensemble,
Ils réduisent l'écart des inégalités. C'est produire de la liberté là où la pauvreté, les discriminations en tout genre, les handicaps physiques, psychologiques, psychiques ou sociaux freinent la libération des individus. C'est produire de la fraternité en réduisant les distances et les incompréhensions entre les genres, les générations, les milieux sociaux, les cultures différentes. Mais ce n'est pas possible tout seul. Il faut donc risquer la communauté, faire confiance à tous pour transformer en bonne nouvelle les dons de chacun. C'est bien une communauté chrétienne que nous formons ici. Peut-être pas une communauté hippie, nous ne sommes plus dans les années 70, mais une véritable communauté inclusive. À nous d'y engager ce que nous sommes, ce que nous croyons, ce que nous avons à offrir pour qu'elle rayonne dans ce monde. Amen. Je vous invite à chanter ensemble le cantique 216, les strophes 1, 2 et 3.
Éternel, tu nous combles de tes bénédictions jour après jour. Et notre geste d'offrande aujourd'hui en est un modeste témoignage. Inspire-nous d'autres gestes d'offrande, qui ne soient pas que des gestes matériels, mais aussi des gestes d'amitié et des marques de tendresse. Amen. Je vous invite à intercéder ensemble dans ce monde. Nous te prions, Seigneur, pour notre communauté, pour qu'elle annonce la bonne nouvelle de ton salut par son accueil inconditionnel envers ceux qui te cherchent, pour qu'elle rayonne dans ce monde comme un signe de paix par son expression de foi respectueuse de tous, pour qu'elle offre à ceux qui cherchent ton amour un lieu où il est vécu. Nous te prions, Seigneur, pour les hommes et les femmes de bonne volonté qui se réunissent de par le monde dans un projet commun pour le bien de tous, qui imaginent demain avec audace, qui font advenir les rêves dans la réalité, qui osent réaliser ce qui semblait impossible et utopique. Révèle-nous cette audace et permet que nous puissions entrer dans de telles communions. Nous te prions, Seigneur, pour tous les démunis de la terre, ceux qui sont seuls et ne trouvent pas les solidarités humaines qui pourraient les aider. Seigneur, que ton règne vienne pour eux et que nous soyons de ceux qui le font advenir. Et ensemble, unis dans la même communion, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Recevez maintenant l'exhortation et la bénédiction de la part du Seigneur. Que jamais le bonheur de la vie n'éteigne en nous la révolte contre ce qui la défigure, mais que jamais non plus le scandale du mal n'efface en nous la louange de la vie. Que jamais les mots qui nous font vivre, tendresse, plaisir, liberté, confiance, ne se referment en des certitudes figées, mais qu'ils soient source d'une quête toujours inachevée. Que notre foi ne soit jamais sans le doute, et que nos doutes ne soient jamais sans la confiance. Que l'émerveillement de recevoir la vie comme un don, comme une grâce, n'altère pas nos capacités d'indignation devant l'injustice, mais soutienne en nous la promesse et la passion d'un monde autre. Tel est le désir qui nous porte, telle est la prière qui nous met en route. Que la petite espérance nous prenne par la main, qu'elle nous entraîne sur les chemins inattendus et qu'elle chante en nous comme un défi l'amour de la vie. Amis, frères et sœurs, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous aussi vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit. Allez dans la joie de votre Seigneur.